Depuis le début de la grève, hein, nous on s'est attelé à ça, c'est-à-dire le service minimum est assuré pour la prise en charge des urgences absolues et puis commande la cour, la continuité des soins pour les malades hospitalisés. C'est le même effectif qui assure le service minimum, c'est-à-dire une équipe médicale, une équipe de médecins, une équipe de techniciens de surface qui assure le service minimum. On peut dire même que ce n'est pas à 80% à 100%. Le service d'urgence reçoit en moyenne 70 malades par jour. Bon, c'est le même effectif que nous recevons. On est entre 50 et 70 malades par jour. Maintenant, notre position s'est radicalisée face au mépris des autorités. Lorsque la grève a débuté le 9, il a fallu attendre plus de 10 jours de grève pour qu'une première autorité, c'est-à-dire, puisse au moins nous appeler pour nous parler. Et là aussi, c'était juste pour nous dire que ce que vous avez demandé, nous ne pouvons pas le dire, nous ne pouvons pas vous le donner. Et aussi pour un peu médiatiser ça et faire comprendre aux gens qu'ils sont ouverts au dialogue alors que ce n'est pas vrai. Également, le dimanche, c'était donc hier tout simplement, nous avons tous entendu un communiqué à la télé qui convie les syndicalistes grévistes autour de la table de négociation. Ce qui nous a beaucoup surpris parce qu'habituellement, ils ont nos numéros de téléphone, nous sommes dans la même famille, il suffisait seulement de se lever, de nous appeler, on allait se retrouver. Mais lorsque vous médiatisez un communiqué comme ça, alors que vous n'aviez rien de concret. Et là, sincèrement, c'est des choses, c'est des petits jeux, des petites manigances qui ne sont pas de nature à apaiser la situation. Donc nous nous sommes retrouvés, malgré que ce soit dimanche, malgré que ce soit par voie de presse, nous avons répondu à l'appel, nous sommes restés, on a échangé. Mais ce qu'on nous a proposé, c'est tout simplement dérisoire. On nous dit qu'ils sont d'accord pour payer les arriérés des primes de garde des agents du cordon sanitaire Ebola. On nous dit qu'ils sont d'accord pour la prise en charge des agents sociaux sanitaires par l'AMO à 100% au lieu de 70%. On nous dit aussi que par rapport à la mutation abusive, ce qui est inadmissible dans une démocratie, à la mutation abusive des responsables syndicaux qui ils donnent une suite favorable. Et là, ce n'est pas suffisant. Parce que, disons-le clairement, il est question d'argent. Nous voulons une augmentation substantielle des primes de garde. Nous voulons l'intégration des émoluments des billets appartenant dans leur salaire pour que cela soit pris en charge même pendant leur retraite. Nous voulons une augmentation aussi des primes de fonction. Et ces primes de fonction qui sont à 25 000, nous voulons les ramener à 100 000 francs, ce que nous trouvons tout à fait normal lorsqu'on donne beaucoup plus à certains fils du pays. Vous savez, nos doléances sont motivées par pas mal d'injustices. Nous avons compris que nous sommes un pays en crise. Et un pays en crise, nous devons chacun vraiment mettre du sien pour essayer de calmer les choses. Mais lorsque ce même moment est choisi par certaines autorités de la République pour se tailler la part du lion, nous nous disons aussi que nous aussi, nous sommes fils du pays. Puisque vous êtes capable de vous octroyer tant d'avantages, tant de primes, tant d'indemnités, tant de bons, de tickets d'essence et autres là, nous aussi, nous allons demander ce qui est normal de nous donner depuis toujours. Donc voilà un peu la situation au jour d'aujourd'hui.